Claudia tout. M'a tout dit nous que nda mais que nous notel. Jodi nous nan fin bataille politique là. Oh. Fin bataille politique a commencé à partir de ce mois d'avril 2021, à partir de la fin de ce mois d'avril 2021. Enfin, hein? On nous fait exercice ensemble. Notez pour moi. Nous sommes jeunes de parler que tout ça qu'il a, lui entrer dans quatre batailles politiques qui gagnent entre la gauche et la droite. Donc l'opposition et le pouvoir. L'opposition plurielle qui gagne la donne, Petite Dessalines, Lavalas et secteur démocratique. Donc, tout secteur opposition face à pouvoir, en face pouvoir. Et nous t'expliquons que bataille ça a commencé. Depuis le même, en fait, Jovenel Moïse, comme président de la République, t'a pré-investiture. D'ailleurs, pour lui faire président, pour le pré-investiture, vous songez, le fameux dossier de l'ULCC. Ouais. Côté que d'entre Dieu rentrer l'antenne au pouvoir, il y a une étiquette déculpé qui pratiquement sous dol. Et Dieu se le fait jusqu'à présent, je vous dis, hein, est-ce qu'ils sont inculpés ou pas? Parce que. On a une décision que tu dis parce que pas inculpé. Qui était. Ouais, qui était blanchi. Ouais. Ça veut dire qu'il n'est pas inculpé. Ok. Fin mois d'avril, ça, et différentes étapes dans la bataille là. Dans le matin, nous allons analyser différentes étapes ensemble avec vous. Mais fin mois d'avril, ça, nous sommes déjà au 21 avril. Considérez que c'est le début de la fin de cette bataille. Donc, fin bataille a commencé à partir de la fin de ce mois d'avril 2021. Mais, fin bataille a gagné deux phases qui étaient. Et c'est l'avant-dernière phase qui commençait là à partir de ce mois d'avril. Avant-dernière phase là, deux phases qui étaient là, ces phases qui m'amènent vers le 27 juin 2021, qui c'est la date du référendum dans le calendrier du Conseil électoral provisoire, dans l'agenda du président Jovenel Moïse. Donc c'est l'avant-dernière phase. Donc à partir du 27 juin 2021, les données seront changées dans un sens ou dans un autre. D'accord ou pas d'accord? À partir du 27 juin 2021. Maintenant, première phase, ça, les dérapés la partie de fin mois d'avril là, pour le prendre fin mois de juin. La date du référendum, juillet, août. M'a dit tout le monde ça, préparez l'esprit nous. Jean, situation est là. Dans le tableau, ça que nous avons devant nous, nous menons matin débat. Analyse nous, bah nous. L'IKA très difficile pour nous gagner, ils ont été réussis. Baronne, non, et José Lexido. Non mais ça gâte pour gagner tout c'est depuis vendredi pour qu'on commence dimanche ou à pied tout dit ça parce que ça gâte là pas gagné qui pas aucun message qui voyait que était à bon donc tout dit nous ça mon qui prépare vacances tout dit ça pour ça qu'on gagne là comme élément pour ça nous gagne là comme picture comme photo comme cartographie. Il n'est pas évident que nous avons été réussi dans le pays. Il n'est pas évident. Parce que, madame, monsieur, à partir du 27 juin, quel que soit janvier et 4 là, pas qu'à pas de problème. Quel que soit janvier et 4 là. D'ailleurs, ce matin, en fait, j'écoutais Valérie Numa avec Gabriel Fortuné. Amna de Margaret Lagay. Margaret de Lagay depuis longtemps. C'est mon nom, la gare de la gare depuis longtemps. Gabriel Fortuné qui dit qu'à partir du 25 juin, ou par contre, ça ne va pas passer dans le pays. Donc, attendons à un lock. À partir du vendredi 25 juin, madame, monsieur, attendons à un lock. Alors, ça, c'est si. Ah ouais. Si équipe. Alors, si président Jovenel Moïse, et pas d'attendre des raisons. Parce que là, si, parce que si dans le cadre d'un dialogue, par exemple, dans ça, moi, j'ai commencé là,
si tu as parlé avec président sénat, président de la cassation, et probablement capable de gagner l'autre rencontre. Probablement. Si entre temps, il y a également ce vivant. Voilà. Si entre temps, capable de gagner, si tu as parlé, capable de gagner entente, mes données ont changé. Parce que là, piqué qu'on les a fait la tête droite là. Parce que chaque jour passé, il y a un secteur en plus qui vient dire que non, nous pas qu'à avancer. De bien. Chaque de bien. Jour qui passe, vous mettez garde pour vous. Vous acte, bien entendu, il y a un autre. Oui, il y a un autre. Il y a un autre parce que vous avez un ami qui toujours parle dans le pouvoir. Il y aurait un journaliste qui aurait demandé une interview. Comme un proche pouvoir qui compte les projets. Et le référendum, non. Il s'est dit non, nous-mêmes nous qui campé derrière le référendum, non. Et jusqu'à présent, tout va bien. Et puis, dans Pita, il a écrit journaliste là pour le dire. Non, même joie, oui. Même joie. Même joie, il a écrit journaliste là pour le dire. Alors, il ne plus jamais ça parce que le journaliste n'a pas tout lié encore. Il a pris l'autre monde. Et dans 2000, il a finalement, il dit oui, et nous, ouais, que le référendum n'est pas bon. On qui toujours parle dans non parler national lui pour défendre pouvoir pour monsieur chemise jaune qui toujours bye ça bien chemise jaune là moi c'est toujours en chemise jaune je viens de dire que son métier chemise jaune monsieur j'adorais et comment quand j'ai bye quand j'ai ça comment monsieur ça t'est parlé dans non parler national déjà ou t'es désapprouvé OK mais je dans même jour il y a deux positions là il y a des abolotion dans bye ça tout c'est capitaine des opinions monde capitaine des à gauche et puis pour capable positionner donc les monde c'est pas rien au gain contre référendum vrai c'est parce que autant de x dit li pas bon yo marché la donne les monde tout yo gagné contre lui mais pourvu que x dit li pour lui et ben li marché d'elle c'est pas des monde qui gagne des convictions vrai mais j'aime dire là comme si gien là ou capable ouais chaque jour passé gien des secteurs en plus qui a positionné contre la tenue de question référendum ça qui capable très malouk si adelante continue très bien OK connaissant pour monde qui connaît président Jovenel Moïse d'ailleurs pour monde qui apprend connait depuis le monte au pouvoir ou après que son comme Zinegado qui téméraire elle dit ça je vais assez de la faire. Côté le vle à l'air, c'est là le parler. Je dis en fond clair, agenda résidence, référendum, constitution, élection. Quitte pays écrasé, n'en tête pas. Ah oui, n'en tête pas. Quitte pays écrasé, quitte moun d'accord, moun boudé, moun fâché, li men li va aller dans la direction par là. Ça y comporte mon chef. Ok? Li va aller dans la direction par là. Maintenant, je dis là, Josué, ça c'est si justement, pas gon dialogue, pas gon chita parler, donc nous capables de venir, nous capables de garder donc scénario ça. Mais, j'ai une situation et là, on doit analyser deux points. En fait, parce qu'il soudain, il y a deux cas font seul. Où se situe la France dans la crise actuelle en Haïti? Et puis, quelle sera la réaction du Vatican dans le cas des religieux kidnappés en Haïti? On a mis deux points ensemble. Ok. C'est chaque jour qui a passé, la situation est plus difficile et compliquée. Pour le président Jovenel Moïse. Moi-même, pas connais, non? Pour tout temps que j'ai connaissance, ou du moins, j'ai l'esprit, de commencer à faire et comprendre les gens comment à parler dans la radio, j'ai un sens de discernement. C'est la première fois que j'ai un président gagné tout le monde en face. Ah oui. Oui. Je ne sais pas comment dire. Mais si bataille Jovenel Moïse comme président de la République, c'est pour changer le système qu'il a dans un certain sens. Parce que quand même, pas que base bataille Jovenel Moïse comme président, il chita sur des réformes. Savoir couper contrat à gauche, à droite, bah, comme ça. Qui tout dit que contrat ça a mal coupé, contrat ça a coupé dans l'intérêt, on coupe, les coupé. Mais retirez-le, mais expliquez-le. Pas de problème. Maintenant, réforme. Faut moi ou dit ou présente un plan ou dit m'a saute là m'a privé là faut que c'est pas tatonné comme si m'kembe ça me lague il va marcher me lague mais ou d'accord ou que c'est pas toute décision que président prend qui pas bon non bien sûr mon gars il y a des décisions que pas en termes de réforme on va pas dire ça que je dis hein si président finalement il était joui d'une certaine légitimité également d'une certaine crédibilité au départ je dis que pile monde dans yeux yo d'après Jovenel Moïse comme il n'a président dans pays parce que des contrats que président retire dans des monde dans pays. Ok, c'est des gens qui ont souci d'état vrai.
Oui, mais qu'on y a comme ça yo. OK. Qui ça fait à comme ça yo? Pas de problème. Pas de problème maintenant. Là dit on t'a touché un paquet de cob. Par exemple, si on prend un cadre courant, 12 millions gros chiffre qui t'a bail. Pas de problème. Des périodes ça yo coupé là à jodi. Ça fait un paquet l'argent. Très bien, très contre l'argent ça a passé. Mais pas un problème, c'est pas ça problème non. Non, ça pour goûter débat. Premier débat c'est que tu gagnes des contrats dans l'état, des contrats juteux, des nèg qui jouent sur influence politique yo, OK, qui gagnent des contrats juteux dans l'état et puis qui pas bail service résultat ouais. Et premier bagarre qui pas bail résultat. Ça c'est premier débat. Maintenant deuxième débat. Comme que tu connais mon ça qu'on a côté l'aller. Ah, oui. Notre débat. Ah, oui. Et ça qui pas on c'est pas ouais. on petit bagage. Il pas un faux débat. C'est pas un faux okay, débat parce que OK. Pile l'argent ça parce que c'est là oui mon t'a pas fait le crédit. Très bien. Me dit que telle compagnie t'a touché tel cob de telle période à telle période. Mais ça me va bien. Et puis moi coupé. Mais l'argent ça que mais ça me va bien. Même prendre mais ça me va bien. Tout le monde ouais vrai. Très bien. Tout le monde ouais résultat. Voilà. On a marché d'elle et après son réforme qui réelle. Justement, maintenant comment nous ça son l'autre débat. Mais l'éclair que je dis hein, c'est dans cadre d'une réforme qu'elle fait ça yo. Madame monsieur. Je dis à bataille de classe là. Ils sont évidents dans le pays. Ils sont évidents dans son pays. Bataille de nègres, les nègres bas. C'est clair, c'est ça lié là. C'est ça qui a passé là dans le pays là. C'est ça lié. Maintenant, si c'est pour changer de données, pour changer un système, ou du moins pour améliorer un système qui dégaine côté nègre qu'on a fourré dans l'État. Et que Jovenel Moïse doit gagner tout ennemi ça. Maintenant, reste à savoir qu'on y a fort payé à Kawé. Résultat, bataille ça. Ouais. Notamment, regardez, une question qui est très simple. Très simple. Un point dossier parlementaire. Oui. Président te dit. L'argent n'est pas. L'argent. Mais quand tu te coupes pour l'État. Il y a des problèmes. Même pour me couper là, à partir de là, pas de parlement encore. Bon, l'argent ça, je vais faire X avec le côté. Il y a des problèmes. Il y a un problème dans le niveau ça. Voilà. Il y a un problème dans le niveau ça. Il faut pas y a pas seulement de discours. Si y'a pour discours, monsieur. Haïti est le plus bel pays dans le monde là parce que nous c'est pays qui a moun qui a plus bel discours. Mais c'est parce que nous trop mais fort. Mais en termes d'action. C'est parce que nous trop fort. Nous derrière nous côté nier. Haïtien fort en bille. Chaque grain haïtien son bombe. On alors bombe nous peut-être lui. Oui peut-être pas. Peut-être lui qui pas servi pays. Qui pas servi pays justement. Donc nous pas mettre intelligence qu'on y a au profit de pays là, malheureusement. Malheureusement. OK. Yeah. C'est première fois moi en président moi même nous connaissons depuis me là sous la terre dans pays d'Haïti qui commence à comprendre politique, qui attend des monde qui parler et puis bon sans de discernement pour me dire ça bon, monte de bon côté. C'est première fois mon président gagne tout monde en face. Et me pas contre qui secteur encore qui était qui pour pas en face président. Tout même monde là qui en face m'a vendo. Je dis alors gagne. Ah pas là que comme ça. Oh. N'a pas là. Oui. Non, et pas Martine et Jovin, et pas Mounza. Ah, ok, d'accord. Et on va me connaître tout. Et on va me connaître. Non, mais attendez, lorsque chapelle politique ou parti politique qui met au pouvoir. Ou clair. Bon, il y a la France qui fait ça. La France fait ça. Aïe, 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 mon cher. La France fait ça. Oh! Vous ne pouvez pas suivre TF1? Non! Attendez, vous ne pas suivre la presse française? Suivre la presse française? Qui ça? Vous ne pouvez pas déclarer déclaration ambassade française. Ambassade française actuellement, il va dans dossier collé avec le président Jovenel Moïse, non? Faut la proposition qui. Qui ça? Nommez ambassade français qui là? Généralement. Vous avez déjà sorti déjà contre le président Jovenel Moïse? Généralement, dans l'histoire, nous, mais comment on l'a toujours fait? Ouais, trois mousquetaires, les États-Unis, le Canada et la France. Ils ont toujours entendu en ce qui concerne Haïti. Très bien. Mais c'est la. Mais c'est la France qui est toujours devant pour faire job sale là. Ah, mais bon. Gardez-vous, oui. Ah, mais bon. Les États-Unis, où j'aime donner le président à la veille. Ah, mais bon. La France, où est-elle? La France qui toujours fait le devant. Et États-Unis à l'école d'air. Très bien. Mais. Actuellement là, comme dit pas une position claire comme du gouvernement français. Oui. Qui dit Lipoko. 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 Mais je dis à ça n'a pas gardé madame monsieur, d'après que gagné la presse française qui font zoom là sur Haïti. OK? Surtout ce même ça sous question qui d'abine religieux donc de l'église catholique.
OK. Parmi eux, il y a des ressortissants français. Parmi eux, il y a des ressortissants français. Maintenant, l'Église catholique face à Jovenel Moïse. L'Église catholique ou dit Vatican. La France, pendant le dossier Jovenel Moïse, même. Canada, quand même, ton petit bémol, on t'y monte des sons, comme ça. Alors, il y a plusieurs secteurs et dans la vie politique au Canada qui a demandé une position officielle. Du gouvernement. Oui, il a demandé une position officielle. De l'histoire tout l'eau. Pour, par rapport à dossier Haïti. Mais il y a beaucoup de gens qui font. Il y a la France qui peut faire clairement tout. Très bien. Les États-Unis qui ont fait titre à Cargo, c'est là que vous ne comprenez pas les questions et gang, vous faites rapport. Très bien. Mais officiellement, il y a toujours. D'ailleurs, c'est plus gros support d'ailleurs de Jovenel Moïse. Très bien. Ouais, c'est plus gros support. Très bien. Une question petit flash que vous faites, il y a besoin que le président corrige quelques bagages qui pas paraître mais il pourquoi mais pas la guille mais pourquoi mais voilà pourquoi toi c'est avec que me dit que tout un petit bémol qui m'était dit que Canada entier flip-flap jusqu'à présent. OK, et dernier problème Jovenel Moïse comme président, c'est que je dis à en dans famille il y a un problème qui c'est famille politique qui c'est PHTK. OK. Madame, monsieur, il y a un monde qui parlait à président Jovenel Moïse. Parce qu'on est matin de l'antenne nouveau. Nouveau. Là, on a abordé des questions avec le président Jovenel Moïse concernant PHTK, concernant le président M. Matéli. Jovenel Moïse, comme président, dit qu'il parlait à Mounzao. Hein? Il va arrêter à Mounzao. Encore? Comment ça, le détour est avec vous? Oh. Et pas non, mais l'autre dit encore. Mais attendez. Bon, il la bon. Ave! Si je donne l'Oïska sous question, je dis à faire bâle PHTK, Michel Maté, il va comme ça. C'est tech tout gagné. Mais comment le dit avant? Ah? Comment le dit avant? Eh ben, bon, attendez, monsieur. L'el parle de Mounpalio, qui c'est. Maman Pemba. Alors, nous tous entrons dans le point, madame, monsieur. Et le président Jovenel Moïse est-il prêt à affronter le parti PHTK jusqu'au bout? Qui seront les perdants? Elle dit que nous gagnons trois points que n'a pas analysé ensemble. La position où se situe la France dans la crise actuelle donc, en Haïti. Et puis, le point qui dit que quelle sera la réaction du Vatican dans le cas des religieux kidnappés en Haïti. Et puis, le président Jovenel Moïse est-il prêt à affronter le parti PHTK donc, jusqu'au bout? Qui seront les perdants? Ok, on a. Lorsque Gabriel Fortuné. Qui était une nègre qui était toujours. Mais la question est avec moi, oui. La question est avec moi. Est avec là. Non, mais avant, comment tu es. C'est pas ça, monsieur, a qu'on dit que tu es qui était fait. Qui est-ce Matéli. Président Matéli. Hein. Bon, écoutez, oui, il était pour conseil ancien président. Conseil seulement. Non, il était pour conseil ancien président et puis appliqué des conseils que le président Matéli a. Et qu'on y a. Et en fait, les pouvoirs fait monter, pouvoir te partager entre eux. Moi, mais je vous dis là. En tout cas, ouais, euphémisme, son mot, moi, mais en pile. En tout cas, pouvoir te partager entre ancien président avec le président qui est sous pouvoir. Ouais, partager entre yo. Ouais, entre yo. Ça va, au vrai là, aucune raison. Ça va nous dire le territoire pour ça. Claire. Mais est-ce qu'on va se jouer les gens et dans l'émission ça? Côté, sur qui dossier? Sous dossier. Il va le dédoubler sur moi. Quand il soit. Sous dossier ça, président Matéli, à toute madame, nous débarquer quand je venais. Débarquer quand je venais. Après, payer l'oc là. Eh bien. Ah, mais ça fait mal. Parce que c'est ça que t'es fait. Ah, mais ça que t'es fait. Mais c'est appelé Kelly. Non, écoutez, là, ça le fait monter comme président. Que ne pas connaître. Je veux que je comprenne. Ok. Ça me dit encore, oui. Non, pas de problème. Laisse ça. Mais écoutez, madame, monsieur. Payer l'oc, 7-8 juillet, Jovenel Moïse, perdit pouvoir. Quand le président Matéli des États-Unis débarque en Haïti, livre madame. Je prends une balise livre madame, il se fait Matéli. Le débarque est quand même. Et Jacques Guy Lafontaine. Pas fait un bagage comme ça. Débarque. Il va me battre ou moi, on sort du boule. Il va être comme ça. 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 Tirez-moi en politique là, tout le bagage. Oui. Et il va être comme ça. Sécurité a dit pas qu'on rentre, mais pousser, il va rentrer. Oui, oui. Elle a dit que il va être comme ça. Ok. Et elle dit, monsieur, bon, on a passé, je sortais qu'on prenait pas salier. Parce que le président Matéli est allé pour le reprendre contrôle de la situation. Et de fait,
Le président M. Matéli avait repris le contrôle de la situation. Même chef cabinet, M. Patrick Catoli, non? Et Jovenel Moïse, à cette époque-là, pas aucun choix que plier quel. Parce que le Guinée-Bal n'est pas de coco bonne, parce que l'hypothèque a saisi, cerné, coup, pays le classe 6-7 juillet. Président Matéli retourne en force, il monte en cabinet, et pour ce monde, président Matéli, en fait, mon père Stéka, qui était pratiquement dans le cabinet. Mais madame, monsieur, tout le moment, ça y est. Là-bas, prendre. Comment est-ce que le président Jovenel Moïse dans quel lui? Mais ça fait, parce que deux tempéraments, c'est bon, on est consalier, son monde qui est rancunier, est-ce que vous comprenez? Ça fait, monsieur, ça que tu as choisi. Ah, mais voilà. Donc, il fait que, de temps en temps, on voit que Gonti, Chirépide, Gonti laisse frapper. Mais quand on est président de l'Église, il fait banan artiste, ou même si l'a joué, bah, ça, il fait banan artiste, bah, comme ça. Et puis, l'anti en calmé. Mais, PHTK, tu as joué quand même de pouvoir, Jovenel Moïse là. Ah, Jovenel, est-ce que c'est consalier? Oui. PHTK, tu as joué de pouvoir de Jovenel Moïse, de président Jovenel Moïse là. Pouvoir pour PHTK, oui. Ok. Qui ça, qui mon Jovenel Moïse te gendel? Mais du coup, PHTK, tu as vu de présidence. Jovenel Moïse là. C'est Jovenel qui est donc le président. Mais le pouvoir? Ok. Qu'est-ce qui va le pouvoir? Attendez, mon frère. On va le dire, c'est population, c'est peuple là. Et le pouvoir vient de Dieu, et même bon Dieu, même, nous avons dit ça parce que nous avons des présidents de lui. La tête de Jovenel Moïse, mon frère. La tête de Jovenel Moïse. Non, mais il y a PHTK qui va le pouvoir. PHTK va faire ébouler. Qui ça? Non, il faut le mettre pour parler les lingas, oui. Lingas qui ça? Oh. Dans la tête président Jovenel Moïse, PHTK va faire ébouler. Donc, il quitte tête, et il n'a pas fait le faveur dans la campagne. D'ailleurs, il est toujours dit tout le côté de passé, le monde qui connaît. La famille Matéli, la famille PHTK a humilié. Et jusqu'à présent, ça a pas qu'on sortit sous le somac. Mais on te prend quand même. Ah, on te prend quand même. On porte quand même. On vend lui quand même. Parce que justement, monsieur était vendable. Parce que justement, lui-même, il a eu le déjà. Oui, il a eu le bagage. Mais voilà. Il a eu le bagage. Ne t'aide pas. Il est sorti de nulle part. Ne t'aide pas. Non, échiquier politique, là, aucun monde ne connaît. Ne t'aide pas, PHTK va faire un bouli. Eh bien, madame, monsieur, non, je dis là. Ce sont mauvaises réflexions. PHTK a fait bouli. N'a pas analysé là. PHTK a bal pouvoir. Bon, d'ailleurs, il est lu sous bannière PHTK. C'est parce que. Eh bien, c'est parce pouvoir, c'est président Mbabo. PHTK. C'est parce que. Y a, bah, yo, comme si... C'est parce que Mbabo a raison, non, chef là. En tout cas. Et bien, il doit parler. Moi, je suis dans la tête président Jovenel Moïse. Okay. PHTK va faire un bouli. Au contraire, il pensait que. Gon paquet n'est que PHTK, c'est lui qui fait pour yo. Et ceci depuis la campagne. Il y a des choses qui ont parlé peut-être plus devant. Ah oui, il y a des paroles qui ont parlé quand même. Mais c'est sûr que Youn fait, c'est Youn, son coalition, okay. son deal gagnant-gagnant. Très bien. Parce que lui bénéficie de PHTK, PHTK bénéficie de lui tout. De lui tout. Très bien. Ok, maintenant, ça c'est dernier bataille, dernier secteur qui vient face, dernier groupe de monde qui vient face président Jovenel Moïse, qui c'est PHTK. Est-ce que Jovenel Moïse, aujourd'hui, a gassé deux reins pour affronter le parti PHTK, parce que Joseph Michel Martelly, c'est le président de ce pays, pas qu'aucun cadeau, il va le faire Jovenel Moïse comme président de la République. Et l'équipe de Martelly, je dis à Paris, puis au casse cou Jovenel Moïse. Parce que, selon l'équipe là, selon le monde là d'ailleurs, son fréquentité que Jovenel Moïse a fait, je dis à là. Et Jovenel Moïse, comme président, pareil pour tout, parce que il est encore président. Il est encore président, il est encore président. Il est encore président. Est-ce qu'on est qui dégale café? Maintenant, c'est la raison pour laquelle on a posé la question ce matin. Le président Jovenel Moïse est-il prêt à affronter le parti PHTK jusqu'au bout? Point. Qui seront les perdants? Qui seront les perdants? Madame, monsieur, n'a pas analysé cette faute-là. Ça, c'est la première partie analyse là. Parce que nous allons entrer dans l'autre partie analyse qui gagne pas avec la question de l'Église catholique et Vatican, également la France. Fonticampé là. Maintenant, on nous était dans la question PHTK. Qui seront les perdants dans le cadre de cette bataille? Alors, entre ces deux camps? Entre ces deux camps, oui. Parce que sinon Mdabdou déjà, réponse li clair, li palpable, c'est population. Non, oui, non, écoutez, là, pas qu'à faire population. C'est dans deux camps, ça. Écoutez, je dis aussi des compositions, oui. Je t'ai dit ramasser ça qui est là comme bataille dans Mdabdou PHTK, oui. Malheureusement, pas gagné. Ok? Alors, c'est pour vous dire que, madame, monsieur, que je dis à tout, bateau a gagné de l'après. Il y a des gens qui ont volé Gagé parmi eux, Margaret Fortuné. Ah, c'est pas toi qui de la prend. Donc, n'importe qui, vent en pète qui vient là, qui fort,
bateau ne doit pas camper sur l'eau encore. Et votre tempête là, nous pouvons regarder depuis devant, les menacer les routes. Et ça fait moins tout à l'heure. C'est la fin de la bataille et nous sommes à l'avant-dernière phase de cette bataille. Parce que votre tempête là qui n'a pas avancé là, madame, monsieur. Et depuis votre tempête arrivé, bateau à qui déjà commence à prendre l'eau, il ne doit pas camper sous de l'eau. Maintenant, qui seront les perdants? Parce que Jovenel Moïse, comme président de la République, c'est lui-même qui est président. Est-ce que son jeté parole que le président a dit et que même équipe président Jovenel Moïse t'a parlé de tous côtés? Nous, tout a perdu! Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous avez dit parole là? Ouais, nous, tout a perdu. Nous, tout et dans la phase nous avons perdu année là. Et dans la phase à nous là. C'est dans la phase nous avons perdu année là. Ouais. Et dit nous tout a perdu là. Peuple a déjà perdu déjà. Déjà non, en lagan. En lagan. OK. Mais là c'est en... là, du côté de BHK, voilà. Du côté de Jovenel Moïse. Parce que bah elle regarde là, l'autre branche là ouais campé du là, c'est à partir de Claude Joseph qui s'est branche. C'est à partir de Claude Joseph parce que Claude Joseph là c'est branche et Garibaudoua, c'est l'autre branche là. C'est à partir de branche ça. Oui, l'autre là Chavandou. Voilà, Chavandou. Ouais. Oui, okay. Javan, oui. C'est l'autre brosse ça. Oui. Maintenant, à partir de là, l'autre brosse a senti que, hey, pouvoir la menacer. Menacer. Pour que ça me dit nous tout a perdu, suivez mon regard. Ma gonne l'aime galé, j'aime ma gonne d'anoué. Suivez mon regard, madame, monsieur. Claude Joseph, premier ministre, a y choisi. Seul et par lui seul, par le président Jovenel Moïse. Yeah. Sans consulter l'ancien président Joseph Michel Martelly. Et c'est ça qui veut plus me soutenir. Sans consulter donc le PHTK. Et c'est ça qui veut plus me soutenir. C'est pas question de référendum vrai. Ah, bah, c'est pas le problème. Le référendum, c'est question de prétexte. Pas question de yes. Donc ça, c'est ça qui raison. Voilà, monsieur, vous êtes ici. Matéba. Et vérité qui a parlé là. Président Jovenel Moïse choisit Claude Joseph sans consulter le président Joseph Michel Martelly, sans consulter PHTK. Et avant ça, bon, me rappelle que et cartel et magistrat comme si et conseil et municipalité ont choisi tout sans approbation président Michel Martelly. Il bat même là même. OK, il bat même là même. Pas oublier Michel Martelly comme ancien président. Il a l'intention de tourner comme candidat à la présidence. D'ailleurs, tout entourage du président Martelly, donc que l'itougol du président déjà. Ça veut dire que. C'est de nous parler qu'à parler là. Si ancien président a tourné une élection comme candidat à la présidence, Babon Manti, dernier gratin, il faut qu'il y ait un contrôle, dernier gratin. Tu restes là. Tu restes là. Parce que tout le monde a cherché l'argent pour élection. Et Mekounia, sur la mesure comme président, en route pour le montant gouvernement, sans PHTK. Sans le président M. Martelly. Il dit. Est-ce qu'on t'a dit nous, qui bon, petit parole et PHTK n'a pas la référendum, non? Vous avez sorti? Égaré, il va vrai? Il va égaré, nous y est? Il va égaré. Et bien, c'est la rue par la sortie. Maintenant, il faut regarder. Laisse nous dire que qui sont les perdants. On a regardé ce qui va passer comme changement. Depuis son directeur général que le président M. Martelly t'a imposé. Et puis son ministre, son secrétaire d'État, que PHTK a déposé, pas étonné pour nous dans le jour qui a venu. Il a révoqué tout. Nep. Hein? Ah. Soit dit là, comme si même si. Non. Mais tout pas étonné. Non, mais si l'État fait vrai, on va connaître la bataille, ça, son vrai bataille. Pas étonné pour eux, que. Il a révoqué tout net. C'est le premier bagage pour comprendre. Deuxième bagage pour comprendre. Depuis ce n'est que PHTK qui a dossier de loi, dossier de la justice, en bas code. Ou bien il paye à blanche. Parce que c'est lui qui est encore président de la République. C'est lui qui est encore président de la République. Donc, on nous suit pour nous. Chaque balle passée, donc, madame, monsieur, dans quatre batailles, ça, et Jovenel Moïse, il ferme à la balle comme supposition. Il n'y a pas de question à faire par PHTK. Il a commencé à mettre déjà. Oui. En plus, le monde m'a dit qu'il a commencé à mettre déjà. Claire. Ouais. Ok. Je dis que c'est pour un bagage petit là. Maintenant, et nous avançons qu'on est dans la deuxième
phase analyse là, madame, monsieur. L'église catholique mandé pour toute institution pas lieu fermer porte là pour 3 jours dans le pays. Qui c'est demain, jeudi, vendredi et samedi. Jeudi, aujourd'hui, demain, vendredi. OK, jeudi. Ouais. Jeudi, jeudi à combien? Jeudi à 21. 21, oui. Donc c'est vérifier, mais 3 jours. Vérifier. Mais 3 jours, c'est l'état supposé jeudi à demain. Demain ouais. Et vendredi. Parce que samedi, quand même, le groupe Pavel, il y a un bagage qui a fermé de Paris même. OK? L'église catholique mandé pour l'institution Palio fermer les portes pour 3 jours. En signe de protestation contre le kidnapping en Haïti et puis contre, en fait, le kidnapping. Il y a kidnappé donc religieux. Oui, c'est à partir de jeudi. À partir de mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 avril. Maintenant, est-ce que il y a des entreprises qui accompagnent pour l'instant, non. Pour l'instant, non. OK. Parce que là, aujourd'hui, on te dit comment. On lève quand même. Bon, en tout cas, c'est une bonne action, mais il y a un seul jour. Ah, il y a un seul jour. Dans le secteur privé. Donc, oui. Dans le secteur privé. Quand est-ce que tu Napton secteur privé. Connais secteur privé à Kakembe. Napton secteur privé. Mais des jours là dedans qui font gens parce que c'est l'église catholique, parce que eux même d'où ils étaient dans l'église catholique. Là dedans d'où font gens parce que justement tu es parti pour te mourir et puis là dedans font gens parce que il y a l'autre monde qui fait faute tu donnes. Il y a l'autre monde, comme ça d'où qui là et qui cap suivre. Et nous te dit c'est le matin débat. C'est pas comme là d'où jeudi 15 avril, nous font mouvement, tout le monde batte neuf à midi, sonne cloche et puis ça s'arrête là. Mais côté mot d'ordre là. Parce que toute initiative qu'on prend pour faire protestation, il faut qu'on mot d'ordre après ça. Et c'est ça qui toujours arrive en Haïti. En Haïti, il y a un problème qui passe dans le pays. Et pour tout le monde a parlé de lui, de matin, ouais, je dis à tout le monde, donc, pour émotion, de matin, blop, dossier grand peu. Pas un monde qui t'en est parlé de dossier. Comme un dossier, je dis à, comme un bail qui passe dans le pays, qui indigne tout le monde. Tout le monde levé campé de matin ça passé. Non mais depuis sous la mort petit petit là dans bus là quoi des bouquets là ont tiré sous bus. Oui. Petit bébé. Petit bébé oui. Bah ça t'a révolté tout le monde. Tout le monde. Dans son frère également. Non bah ça t'a révolté tout le monde mais après. Après ça. OK. Maintenant l'église catholique donc a prend position. Elle dit que tout le monde a atteint gonia là qui ça Vatican pas dit, qui ça le pape pas dit dans dossier ça. Qui ça le pape pas dit. Dans le dossier, ça, madame, monsieur. Son jeune de dit dans l'émission de débat. Rappelez-nous ça. Si ça t'arrive, otage qui n'en met 400 maros, prêtez-vous avec meilleur. Si ça t'arrive que vous t'as mouru, ou bien là, docteur, ou bien là, docteur, mouru, madame, monsieur. Ou bien si, non, français, yo, ta réunion nous met tous les deux, t'as mouru, madame, monsieur. Français, après, très difficile pour le président Jovenel Moïse. Il était sous pouvoir jusqu'au 7 février 2022. Français, je crois que c'est lui-même qui était pris en balle, qui baisse le passement chaque jour. Qui baisse le passement chaque jour. Qui baisse, oui. Ok. La balle très difficile. Pour président Jovenel Moïse, il était sous pouvoir jusqu'au 7 février 2022. Donc, il a dit que, comme c'est fin bataille qui est déjà là, nous entrer là-dedans. Si son bataille est vrai. Ben, si son bataille est vrai. Ok. Quand il ne bouge pas aujourd'hui, et puis. Demain, et nous prenons la nous prenons radio, nous faisons bruit. Bien. Et puis demain, bah, la gon. Entendu parce que c'est même non. Demain, même non. Mais si son stratégie tout pour remettre PHTK dans tête moun, son très mauvaise stratégie. Non, li, pa, pa, ça n'est pas grand. PHTK va bénéficier là. Les problèmes sont là. Il n'y a aucun nègre qui a. Les problèmes sont là. Et il y a un bouche par goût là. Ok. Donc, dans la relation ça. Ok. Maintenant, 20 juin, 27 juin, si frère Dom Bafet, nous allons commencer maintenant à être clair, nous parler de notre transition. Il y a des gens qui commencent à préparer pour la transition. Il y a un ancien premier ministre dans le pays. Qui est-ce qui remettre tout le baganet? Ça le nomme? Ça le nomme, comme si c'était un privilège. Il prend ou bien il. Non, il baille, c'est lui qui est lui-même. Oui. Okay. Ça veut dire qu'il a défait de tout la, ça qui a avec pouvoir ça. Il a démarqué. Il est en démarqué à tout ça qui gagne à ouais avec pouvoir ça. Yo ancien premier ministre. Et c'est pour Timon, non? Grand intellectuel. Grand intellectuel, okay. Qui connaît politique, n'est grand savé, qui connaît l'état tout. Ouais, qui connaît gros carrière et qui fait carrière en dans l'état. Ouais. Il est en retirer tout bail ça au sous lui. Il remet sécurité,
li revoyer sécurité l'aller, li remettre machine, li remettre clécaille, li remettre toute bagaille net. Parce que blanc était pas la ville. Il la ville. Ah, il la ville net. Depuis ta transition, eh ben c'est au carré c'est nèg ça, ancien premier ministre pays là. Qui tourne comme premier ministre ou bien qui tourne comme président provisoire. Il y a un monde que tout pays a respecté tout. Ah oui. Donc comment se prépare une madame monsieur? La transition est donc sur la table. La question de la transition est donc sur la table. Nous sommes là ici en matin de bande dit que pour gagner à faire transition sur la table là. Nous sommes là. Eh ben dans moment on a parlé là comment se prépare une. Donc cette transition, il est pratiquement là sur la table. Mais ça va le dépendre. J'ai quelque chose à dire tout à l'heure. De qui j'ai un violon pour l'accorder, dans le cadre d'un dialogue ou bien un accord politique, est-ce que Jovenel Moïse comme président n'est pas capable de jouer un accord politique qu'on y a là? Est-ce qu'il n'est pas capable d'arriver à mettre tout le monde chita son table dans le cadre d'un dialogue pour rebattre quatre là? Ça veut dire rebattre quatre questions conseil électoral et provisoire, rebattre quatre questions référendum, rebattre quatre questions constitution, et puis planifier les élections. Est-ce que Jodia là capable d'arriver à faire ça? Moi-même, je dis que pas grand rien qui n'est pas possible. Pas grand rien qui est impossible. Mais, lecture de situation là, la très difficile pour le président Jovenel Moïse arriver, mettre tout le monde sur table dans le cadre de dialogue pour yon entendre sous pays savoir, référendum, constitution, élection. La très difficile. Je ne dis pas possible, je dis impossible. Bon, mais la très difficile. Okay. Alors, dans le cadre du référendum, bien que moi, il y a quelques ministres, notamment le ministre de la Justice qui met pied à terre. Oui. Qui, dans le cadre de tout. Non, on fait l'événement, oui, monsieur le ministre de la Justice. C'est juste mettre pied à terre. Ça travaille sérieusement. Moi, je me demande pour qui ça est qu'on y a le fait. Oui. Ou bien, si l'autre ministre fait, tout par exemple, ministre qui dit tête, ministre qui était soi-disant pour l'élection. Bon, c'est toujours là, je ne sais pas. Mathias. S'il t'a fait travail ça moi ministre et justice là ouais ouais fait là il t'a pile loin dans question 4 là il t'a pile loin dans fait 4 là non oui il t'a pile loin dans ça fait 4 là parce que et moi ministre justice en met pied la terre il quitte bureau il quitte prison la patrie en danger il met pied la terre ouais fait les messieurs et bien que moi pense que communication et ministère justice et je dis il faut que tu accompagnes ministre là. Oui. OK. Il faut que tu accompagnes ministre là. Mais où est que moi quand tu mettais dehors là sous tourner le fait hier. Oui, oui. Il était rencontré et direction départementale et PNH là dans la grandance, il est allé dans parquet et dans juridiction ça oui. Tout, il rencontré bureau doyen tribunal de première instance. Li allé dans prison civile Jérémy vraiment li non li à terre li à terre wak fait l'investissement à terre comme ministre de la justice et wak que monsieur li sous deux tableaux parce que la question détention préventive prolongée plus ils sont question de carte d'identification nationale sauf que dans carte d'identification préventive prolongée moi même m'a prendre action oui très bien m'a prendre action sincèrement parce que m'habitué tendez et comme si m'habitué de moun par exemple notamment et depuis qu'on nouveau commissaire du gouvernement là dans prison yo li dil même vle ouais action comme gon avantage que ministre gen là que grève illimitée que magistrat yo même yo tentamé a li lever provisoirement donc on pense gen travail qui ka fait plus par rapport avec volonté ça manifester a que li agit que action ça comme si li dil li montrer que li vle agir maintenant en tant action yo pour permettre que moun kap coupi dans prison de ka di ki pou ko jam wè juge yo que yo capable wel très bien OK maintenant fon retenn ça c'est l'église catholique a mette pression sur Jovenel Moïse sur pouvoir parce que là c'est seul pouvoir qui capable je dis a permettre que libération fait très vite mais du côté de 400 Marozo. Nego dou même yo pa katande. Nego dou que yo pa katande yo même. Yo pa gen l'hôpital. Yo pa gen l'hôpital. Maintenant qui dès là nous capable de une libération prête yo avec meyo religieux. On pa connaît. Et des grands monde. Ah mon frère. C'est qui fait tout le temps ça cap dormi dans des conditions difficiles. Voilà, ah, oui. Cap manger des bagages probablement. Yo pa j'aime peut-être j'aime des manger probable parce que gen des monde gen là qui malade qui pas contre qui pas manger même j'ai tout le monde qui manger spécial par eux et puis qui manger n'importe bagaille qu'on y a donc conditions vraiment difficile et par contre qui est-ce qui a agi pour permettre que gon action qui fait par contre mais ça doit faire là doit faire
Ça c'est de fait, de fait. Parce que mon yo c'est grand mon yo yé, yo bon. Maintenant qui ça quoi les réactions donc vaccin on attend. Nous parler avec quelques monde qui en dans l'église catholique. Balade des prêtres, balade avec des monde qui sont fidèles donc de l'église catholique qui proche cardinal là. Et des prêtres dans l'église qui croient que faut cardinal là toucher officiellement Rome. OK. Deux questions. Et que yo même quoi que faut ta une délégation de l'église catholique en Haïti qui pour ta déplacer pour aller au Vatican pour aller rencontrer le pape sous dossier haïtien. Est-ce que nous sommes encore là? M'pas connait. Non, je vais passer. OK. Mais ou ka wè justement ou bien Vatican invite cardinal là en Haïti vienne une explication. Sous ça qui passe là, ou bien peut-être un monseigneur, ou bien un membre, ouais. En fait, qui sont autorités de l'église catholique. Le premier pas, c'est d'abord toucher officiellement. Officiellement. Parce que là, je vous dis à madame, monsieur, au niveau de la presse française, la question d'Haïti, le cas, en fait, la question des religieux kidnappés, ça prend de l'ampleur au niveau de la presse française. C'est certain que probablement, dans fin semaine, on a vu que donc, le Vatican lui réagit. Sous dossier Haïti. Maintenant, qui intéresse la France dans la crise actuelle en Haïti? Madame, monsieur, n'a pas analysé là. Puis, nous pensons que la France n'a pas intérêt dans la crise actuelle là en Haïti. Puis, nous pensons ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, constitution qui a changé. Et ça fait me dédine, madame, monsieur, dossier constitution dans le pays d'Haïti, il n'est pas concerné seulement haïtien. Parce que la constitution de 1987, qui s'allie Josué, sont copie-collée de la constitution française. La française, oui. Nous avons dit que. Oui, parce que même là, ça veut dire que, administrativement parlant, les États-Unis d'Amérique ont retiré Haïti dans la France. Ouais. Suivez. Mon regard. C'est-à-dire que la constitution qui a changé là, c'est retirer que Américain a retiré Haïti, nommé la France administrativement parlant. Parce que la constitution de 1947 là, ils sont copie-collée de la constitution française. Mais ça veut dire que quelque part, intérêt la France pas qu'à parler. Mais un changement de constitution, madame, monsieur, en Haïti. Ouais. En aucun cas. Ouais. Sauf que politique, si c'est cadeau, sauf si politique, c'est faveur, c'est sentiment. Et pas gagné ça. Ah, excusez-moi. Et pas gagné ça. Excusez-moi, mon frère. Tout le monde connaît pas gagné ça. Si politique, c'est intérêt, pas qu'aucun jour pour la France, pas senti que intérêt menacé et lésé. Dans le cadre changement, dans le processus de changer la constitution, madame, monsieur, haïtienne. Et c'est ça que débat. Bon, réflexion de produits ici, dans l'émission, à un débat. Moi, je dis que le moment mettre mon feuillet d'Orval. Pour qui ça? Mettre d'Orval mourir, même quand on a FBI débarqué en Haïti, service secret français débarqué en Haïti. Vous comprenez bien, madame, monsieur? Je n'ai pas rappelé, mettre d'Orval sont haïtiens. Mettre d'Orval sont haïtiens, formés en France. Formé en France et qui était très impliqué dans la question constitution, nouvelle constitution pratiquement, madame, monsieur, dans le pays. Car les genoux, les haïtiens. Donc ça veut dire que quelque part, quel que soit janvier, là, on va jouer les Américains qui parlent non, si tu as parlé quand même avec les Français, ok, sous question Haïti. Maintenant, il n'y a pas de goumé, non? Ah, il y a un temps pour chaque prince avoir besoin. Il n'y a pas de goumé. Madame, monsieur, attendez bien, regardez-moi. Rappelez 12 janvier, oui. Ah, 12 janvier. Vous savez, 12 janvier. 12 janvier. Américain, attention, attention. La France dit, hey, besoin atterrir. Atterrir. Mais dis non, attention. La... Américain empêche la France atterrir à l'aéroport international. Attention. Sous ses ouvertures. Ici, il y a un mètre. Si la cour, ça, même quand elle sale, il y a un mètre. Avant, nous propose là. Nous souhaitons nous marquer pour moi. Si référendum n'a fait, constitution passée, pour que ça bon. Pour l'un. C'est américain. Ouais. Si la constitution pas passée, si le référendum n'est pas fait,
nous pas arriver changer condition 1957 pour que ça bon la France. Merci en pile. On a parlé après pour ça, on a proposé de tourner. Nous ça veut dire que bataille la papitia. Ah.